Le PSG est très proche de boucler le dossier Victor Osimhen. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Victor Osimhen, les gars. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, les gars, Victor Osimhen, les gars, il est dans le viseur du PSG depuis. Et il y a plusieurs clubs qui sont sur lui. Il y a le Bayern de Munich et notamment le PSG, les gars. Le PSG a cruellement besoin d'un avant-centre, les gars. Parce que lorsque tu vois Kylian Mbappé, ce n'est pas vraiment un avant-centre de métier. Et ils sont obligés de faire appel à Victor Osimhen, les gars. Victor Osimhen, c'est un très bon joueur, très très bon joueur, très bon joueur même. Et qui est amené à être un grand joueur, les gars. Du coup, donc, est-ce que c'est un bon choix pour le PSG? Oui, c'est un bon choix pour le PSG, mais je ne pense pas que c'est un bon choix pour Victor Osimhen, les gars, parce que c'est un mec qui doit encore progresser. Et je ne pense pas que si pour le PSG va progresser. Donc, le PSG, on parle d'environ 150 millions d'euros. Je ne pense pas qu'il y aura un club en Europe qui va s'aligner sur cette somme. Donc, ce qui fait donc que si le PSG met cette somme, s'il met cette somme, ça sera très difficile pour Naples de refuser. Et ça sera très difficile pour un autre club de s'aligner. Du coup, donc, il est probable que Victor Osimhen quitte Naples pour le PSG parce que, vu la somme que le PSG va proposer à Naples, ça sera très compliqué de refuser. Ça sera très compliqué de résister. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi. Demande-moi ton commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Est-ce que tu penses que Victor Osimhen, c'est un bon choix? Partage-moi ton ressenti. Si ce, on se dit à très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao!